Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, des villes aux couleurs et aux accents de l'Ukraine. On est venu pour soutenir le peuple palestinien et puis donner du réconfort un petit peu. On ne comprend pas pourquoi il y a juste à Paris où les manifestations sont à chaque fois interdites. Voilà, on n'est pas accepté. Dans plein pays d'Europe, que ce soit à Madrid, que ce soit en Italie, etc., c'est possible, mais en France, non. Ouais, c'est pas faux. Des milliers de manifestants se sont rassemblés partout en France pour dénoncer la guerre et soutenir les Ukrainiens. Macron, des Palestiniens ! Nous sommes tous des Palestiniens ! Ici à Caen, du bleu et du jaune jusque dans les vêtements. Pour moi, c'était une évidence de venir en soutien de la population ukrainienne et de montrer qu'on n'était pas du tout indifférent à ce qui se passait dans leur pays. Même si je n'ai pas mon petit baluchon et mon fusil, je ne peux pas aller les défendre, mais minimum, c'est être présent. En ce moment, il y a des bombardements, il y a des enfants qui meurent et puis il n'y a personne qui en parle, en fait. Voilà, parce qu'ils sont seuls et puis ils ont besoin de soutien et d'aide un petit peu. Écoutez, je ne vous ai pas dérangé, je n'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas déranger, vous avez compris ? Non, si. Monsieur vous le me laissez parler. Monsieur le député. Parce que j'ai pas dit un mot, ça fait une heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. Je demande à Meir Habib, voilà, vous laissez Meir Habib, il a pris la parole, il a la parole, et il a le temps pour s'exprimer. Meir Habib, la parole est à vous, à l'exclusion de tout autre. Allez-y. Il a raison. Je pense que c'est important de montrer notre soutien aux Ukrainiens qui sont présents ici avec nous à Limoges, mais aussi aux Ukrainiens qui sont chez eux aujourd'hui bloqués en Ukraine. C'est très émouvant aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus soutenir l'Ukraine. Vous participez à un attroupement, obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter les lieux. Pourquoi on n'a pas le droit de manifester? Pour un truc légitime, pour un truc juste, hein? Macron, des Palestiniens. Aïe, 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 quand taïno jores.